Yomina. C'est Maître Nan. Et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Digimon. Alors cette fois-ci, nous allons retourner aux étendues de Guino. Alors dans un des lives, on m'a dit que les gigots pourris allaient servir à quelque chose. Et qu'il fallait avoir un mec dans une sorte de grotte. Parce que j'ai dit que voilà, ça servait à rien les gigots pourris. Je l'avais jeté. Et on m'a dit, mais non, mais ça servait à quelque chose les gigots pourris. Bon, j'en avais que deux. Hein. Donc voilà, j'ai farmé. Et si vous cherchiez, voilà, j'ai farmé les 20 gigots pourris, la viande pourrie. Et en fait, c'est énormément facile pour l'avoir. Vous voyez, quand vous avez été affronter le Machine Dramon, quand vous allez rencontrer Luche, et ben cet endroit là, il y a des Numémon. Ou il y a même Angémon qui vous pose une, qui vous demande une mission, où vous devez aller, aller voir Hackmon pour lui, parce qu'il croit qu'il est blessé, enfin, il s'inquiète pour lui. Et ensuite, bah, en fait, quand vous allez là, ici, à cet endroit, et juste devant, avant d'entrer dans cette map, dans cet endroit, vous avez deux petits Numémon jaunes, je ne sais plus leur nom, qui est assez chelou, deux Numémon jaunes à l'entrée, et à l'intérieur, il y en a au moins 6-8, eux, drop, vous donnent des gigots pourris. Et donc, ça doit être là, je pense, parce qu'on m'a dit... Alors, je ne sais pas à quoi va servir, on m'a dit que c'était pas le plus important, mais si... Bon, après, si franchement, je serais tombé dessus, si on n'avait pas exploré Oguino, donc je serais tombé dessus, j'aurais fait, ok, bon, bah, j'aurais été les relais chercher. Mais au moins, on me l'a dit à l'avance, et je les ai sur moi. Ah, c'est lui. Ok. Hé attends. Tu penses pouvoir passer sans ma permission? T'es un sacré culot, hein. T'es pas d'ici. Bon, laisse-moi te dire un petit truc. Je suis Goblimon. D'ici à là, c'est mon territoire, et les intrus y rentrent à leur risque et péril. Mais je ne suis pas un démon malgré mon apparence. J'ai aussi de bons côtés, tu sais. L'argent est important. Mais la viande l'est plus. Amène-moi 20 morceaux de viande pourrie et je te laisse passer. Et comme vous avez vu, mon Mirage Gaomon... Oh, t'es quelqu'un de raisonnable. N'oublie pas mes 20 morceaux de viande pourrie. Mirage Gaomon est en train de mourir. Voilà. Je pense qu'il va mourir dans même pas quelques minutes. On dirait que tu m'as ramené mes 20 morceaux de viande pourrie. Voici tes 20 morceaux. 1, 2, 3... Oui, il y en a 20. Je les ai bien tous. Cette odeur de viande trop faisandée, c'est délicieux. Je n'ai jamais vu de meilleure viande pourrie. Comment est-ce que je vais cuisiner cette viande esquise? Oups, je me suis perdu dans mes rêves de viande pourrie. Bien, tu peux aller où tu peux aller, où tu veux maintenant. Je retourne à la ville pour un festin de viande pourrie. Ok, déjà là. Déjà lui, tu sens le mec qui va nous... qui va vendre... les viandes pourries, donc qui va vendre de la merde. Bon, on va essayer de voir si... en ayant aidé ce Goblimon, est-ce que l'autre nous laisserait passer? Je ne sais pas, on va aller voir. Mirage Gaomon, meurs pas maintenant, hein, laisse-moi, parce que si y a un fight qui nous attend ou qu'on a avancé pour rien, ça me ferait un payage quoi, au moins jusqu'à temps qu'on puisse voir si on peut passer ou non. Parce que, voilà, quoi, j'ai payé de la thune pour venir. C'est pas gratos, hein. Bah oui, pas gratos, hein. JB, il est encore en vie, ça c'est sûr. Alors ensuite, on va monter là-haut. Oh, un être humain! Le fort des troupes carnivores est juste là. Quoi? Tu veux passer? Qu'est-ce que je peux faire? Tu dois prouver que tu ne fais pas partie des troupes végétariennes. Hein? Oh non! Venez, réduisez le fort des troupes carnivores en miettes. C'est pas vrai. Si on perd notre fort, les troupes carnivores sont fichues. Oh, c'est la première fois qu'on te voit, toi. Ça va faire très mal. Hein? C'est dingue. À toutes les unités. En avant. Ok. Alors, on m'a expliqué aussi en commentaire qu'il fallait appuyer au bon moment sur les influences. Au moment où ils attaquent ou quand c'est attaqué. On va tenter. Ok, donc ça c'est pas au bon moment. On va trouver le timing. On va chercher le timing parfait. Non, c'est pas ça. Alors je pense que c'est pas avant. Il va falloir peut-être attendre qu'ils ont fini d'attaquer.
Ouais, je pense que c'est après leurs attaques. Allez. Ouais, je pense que c'est après. Parce que là, même là, ça marche pas. Oui, c'est après, d'accord. Et c'est même très très bien après, je pense. Enfin, ça m'a l'air très très bien après. Hein. Voilà. On va essayer de faire une fusion exé. Si Galantmon veut bien se donner la peine de taper. Et que je lui donne de l'influence. Allez, tape, Galantmon. Allez, JP, tape. Bon, on va faire comme ça, hein, tu veux pas taper. Et pourtant, t'as les PM. Là, on peut faire une exé. Exé! On va voir sur qui c'est qu'on tombe. J'ai hâte de voir ça. Chaosmon! Allez! Ah, c'était classe! Ah, franchement, un bon petit Chaosmon là pour les déboîter. Ah, on se replie, vite! Allez, cassez-vous. Waouh, c'était épatant! On te doit une fière chandelle! Plus question de refuser le passage, maintenant. Et puis, il faut que tu rencontres le général Léomon. Ok. Bon, bon, on y va, hein. Meurs pas maintenant, s'il te plaît. On a bien avancé. Alors. Hé, hey, toi! Toi, être humain? Moi, parler? Moi, demander. Toi, faire. D'accord? Bon, d'accord. Toi, trouver mon frère. Mon frère quelque part. Nous, colorés, très colorés. Lui, parti se cacher. Toi, chercher et dire trouver quand toi le voir. Ok. Yo, yo, yo. Reste pas ta chance. Suis la cadence entre eux. Ok, d'accord, bon. Là y'a rien. Et ben on va se taper le Tyrannomon. Ah bah même pas. Ah bah si. D'accord, faut bien taper après. D'accord, j'ai compris à peu près. Donc je tiens à remercier tous ceux qui me l'ont dit. Pour l'instant actuellement il y en a eu deux qui m'ont donné ce conseil. Donc je tiens à remercier Aurélien qui m'a aidé pour ce conseil. Et il y a eu aussi Doumi TV officiel. J'espère que je n'ai pas écorché vos pseudos. Ces deux-là m'ont envoyé des messages sur les vidéos en disant que. Ah, c'est une fois par jour. Je crois que c'était ce qui était marqué. Donc oui. Alors on va faire un blaster lunaire. Voilà. Allez, on va vous soigner. Voilà. Allez, Gaomon, viens là. Ah non, tu m'as pas fait ça le jeu. Non. T'es mort juste avant d'aller voir Gaomon, espèce d'enfoiré. Ne sois pas triste, tes partenaires peuvent renaître. Non mais c'est pas que je suis triste, mais si je voulais... Ah si, ça me fait un peu yesh, mais bon. Alors là, j'aimerais bien voir un Meikumon ou un Gatomon. Donc on va tenter déjà d'avoir Salamon.
Et sincèrement, ce qu'on peut avoir, moi j'hésite entre, franchement, qu'on peut avoir Meikumon ou qu'on peut avoir Gatomon, dans les deux cas je suis content. Parce que j'ai pas encore eu, bah de toute façon faut déjà que je tombe sur Salamon. Et Gatomon, après, si on arrive à avoir une Angewamon ou quelque chose de bien mieux, je pense qu'on peut se refaire. Donc ça peut être, ça serait cool je pense. L'appel de Jishimon. Tu es de retour, Shiki, j'ai une bonne nouvelle. Globimon est revenu à la Scotia. Il est parti vers le quartier commercial en marmonnant qu'il avait faim. Il y arrive de travailler à celui-là? Ah, je ne sais pas. Je profite de la ville de 34. La situation commence à ranger. Ok. Ok, toi, non, on n'a plus rien à faire. Eh ben, plus qu'à aller, moi je dis, au centre d'entraînement, déjà. Toi, t'as quelque chose à me donner? Je sais même plus rien. Ouais, on va augmenter. Oula. La vitesse. Je pense que ce soit Salamon ou Gatomon. Je pense qu'ils comptent sur la vitesse comme c'est des chats. Et dans les Meikumon, c'est un chat. Donc ça doit compter sur la vitesse, non? Je suis en train de me dire. Allez, on tente la vitesse. Si la vitesse est le plus gros facteur, ça peut être pas mal. Bon, déjà, donc là, on va avoir le. Je crois que c'est Nyaramon. Si je dis pas de conneries. Ah, Nyaromon, pas Nyaramon, ouais. Donc, après, lui, je voudrais aller au dojo. Est-ce que le dojo... Oui. Montre-moi l'arbre. Ok, il dit prêt. Prêt pour Salamon. Prêt pour ça, ok. Ouais. Ouf, Lucemon, ça en demande des trucs. Eh ben, ce qu'on va... Ça n'a pas l'air d'être débloqué, le truc. On m'a dit qu'en mettant niveau 2, ça... Enfin... Je sais qu'en niveau 2, ça doit débloquer quelque chose, logiquement, mais... Alors, attends, on va aller à l'atelier. Et voir si les travaux sont finis. C'est ça qu'il faut se dire, aussi. Ah, il est en cours. D'après ce que je comprends, c'est en cours, alors. Ouais, ouais, d'accord, ok, donc il est en cours. En cours de construction. Il devrait bientôt terminer. Ok. Au prochain, on verra ce qu'on fera. Ok, donc ce sera vraiment du dame chance si on tombe sur Salamon ou pas. La dernière fois, je l'ai fait, je suis tombé sur Snow Agumon. J'étais en live. Là, j'aimerais bien tomber sur Salamon. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on... Bah on retourne, je pense, à l'entraînement. Hein. Et on va donner Dame Chance qu'on lui donne beaucoup de vitesse de déplacement. Allez, de la vitesse. Espérons que Dame Chance est avec nous. Allez. Ouais, nickel. Ça s'y pourrait passer quasi à 452 500, ça pourrait être déjà pas mal. Ouh. Alors là. Et ben voilà, on est tombé sur Salamon, ce qui est insane. Ce qui est super cool. Et je crois qu'on m'avait dit aussi que Meikumon, c'était le premier ou le dernier. Que les deux au milieu n'étaient pas Meikumon. Je sais que je le cherchais et on m'a dit, oh mais c'est la première distribution ou la dernière. Et je voudrais savoir. Je peux pas en laisser deux.
à moins que je laisse le 1 et le 4, à moins que je verrouille le 1, le 2 et le 3, on laisse le 4. Ah, je sais pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un peu sa force. Voilà, nickel. Il y a de la force celui-là. Ça mange beaucoup. Le chaos Galantmon mange énormément. Qu'est-ce que tu veux, le petit nain? Le petit chien. Un chien qui se transforme, qui se dit en chat. Ah non. Nickel. Ensuite. Ouais. On fait un petit peu d'entraînement, puis on se laissera là. 3-4 minutes d'entraînement vont se laisser. Ça permet d'accélérer un petit peu. Tu veux dormir? Non. Tu dormiras pas. Yamete. Ensuite. Bien. Ok, nickel. Est-ce qu'on retourne maintenant au dojo? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? À moins qu'il faut ressortir du dojo pour l'actualisation. Ah. Les bâtiments du quartier scientifique ont changé de niveau. Ah ben voilà, c'est nickel. On rentre. Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Chiki, on a réussi. On peut désormais bloquer les digivolutions. Ah ouais, ok. Dans l'arbre du Digimon du dojo, choisis celle que tu veux arrêter et appuie sur croix. La digivolution est bloquée, appuie de nouveau sur croix pour annuler cette action importante. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Oui, oui, ça je le savais déjà que... Oui, oui, maintenant ça me revient. Plus j'en ai parlé tout à l'heure qu'on pouvait bloquer. Oui, oui, c'est ça. Alors. Ah non, c'est Gatomon. Est-ce qu'on tente de bloquer Gatomon? Par contre, les deux, le 2 et le 3, c'est pas Maikumon. Merde. On va tenter de laisser ça, mais ça c'est élevé, donc il y a déjà ce qu'il faut pour avoir Gatomon quasi. Il est élevé, donc à la troisième phase sur 4. Qui après, ben, qu'il est prêt. Retournons à l'entraînement. Ok, donc pour Gatomon, c'est quasi prêt. Allez, fais popo. Et puis après, on va se laisser là et quand ça verra dans l'épisode, j'essaierai de le mettre au moins en ultime ou méga. Bah, ultime ou méga, au moins dans l'espérance de... d'en avoir un bon, quoi.
Ok. Désolé, j'étais concentré en train de penser qu'est-ce que je pourrais monter comme stat. Ok, on a bien augmenté déjà ses stats. De toute façon, on va se laisser là, je pense. Comme ça, au moins... Voilà, on a augmenté pas mal de choses. Ouais, on va se laisser là comme ça, tranquillou, les amis. Bon, bah... Les amis, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et la prochaine fois, on retournera à Oguino pour voir le reste des recrues. Et pour avoir de nouveaux Digimon dans notre villa, on espère. Allez, ciao ciao, Mina.